terminer Rosh Hashanah, nous tricherim le otzim koach la poal. Donc tout le union de Rosh Hashanah, c'est de faire sortir les choses du koach poal, c'est-à-dire de ce qui est potentiel, le faire sortir dans la réalité. Qui Rosh Hashanah ou Atralat Abria, parce que Rosh Hashanah c'est le début de la création, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde à Rosh Hashanah. Zehayom Trilat Maaser, comme on dit dans la prière de Rosh Hashanah, c'est le jour où tu as commencé de la création. Vekodem Yeshprinat Charon Af. Et avant ça, c'est-à-dire avant qu'il y ait l'action, il y a de la colère. Shuprinat Dina Kashia Shemitorer Rosh Hashanah. C'est le lien du din, du jugement rigoureux qui se réveille à Rosh Hashanah. Et on doit retourner complètement ce souffle de colère, que ça devienne le souffle de Mashiach, c'est-à-dire un souffle de divin de Mashiach. Et avant, c'est pour ça que tout le Rosh Hashanah, on multiplie la prière et les supplications qui sont l'adoucissement de la colère. Et quand on arrive à adoucir avec toutes les prières, toutes les demandes qu'on fait à Rosh Hashanah, quand on arrive à adoucir, alors ça devient le souffle de Mashiach. Parce que toute la vitalité, tout le souffle de vie du Mashiach, c'est la prière. Comme Rabbeinu il dit dans la Torah Bet, dans le Kute Moharan, la deuxième Torah. Alken mamlichim oto itbarar b'Rosh Hashanah b'chol atfilot v'omrim ha-melech ha-kadosh. Pour ça que on essaye de couronner, de donner le pouvoir à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, et on dit ha-melech ha-kadosh. Dans toutes les prières, on dit le roi, à chaque fois on ajoute le mot ha-melech. Ha-melech ha-mishpat, on dit le roi qui est saint, le roi du jugement. Parce que à Rosh Hashanah, il y a la révélation du souffle messianique, que le souffle messianique, c'est la racine du pouvoir d'Hachem. Parce que la révélation du Mashiach, ça n'est que la révélation du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, c'est officialisé la présence d'Hachem dans le monde. Parce que toute la révélation, principalement d'Akadosh Baruch Hu, elle va se faire dans le futur quand Mashiach va se révéler. C'est-à-dire, quand Mashiach va prendre les rênes du monde, le pouvoir, c'est ça la révélation d'Hachem. Comme je katou, vaya Hachem le melech al kol haaretz, vayom ahoui Hachem echad ushmo echad. Comme c'est écrit, Hachem sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, il sera un et son nom sera un. Donc, tant que Mashiach n'est pas en place, alors la royauté d'Hachem, elle n'est pas en place. Maintenant, on dit que normalement, David Ameler, ça devait être ce principe-là, c'est-à-dire un roi. Un roi, quand le Ham Israël il a demandé un roi, Akadosh Baruch Hu n'était pas tellement content qu'ils aient demandé un roi, mais Hachem, il a utilisé cette demande-là pour que le roi, ça soit Behemet Melech HaMashiach. C'est-à-dire, quand on dit que David Melech Israël, Chai Vekayam, c'est David Mashiach, ça veut dire que le principe de David, le principe de la royauté, c'est le principe messianique. Puisque maintenant, un roi, un vrai roi, un roi juif, c'est un roi qui va mettre en place le système des lois d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, il va faire régner Hachem dans le monde. Ça, c'est Mashiach. Mais pas, il ne va pas le faire régner comme ils font certains en assassinant les gens et en les obligeant. Pas du tout. Mashiach, il va uniquement parler avec les gens, c'est tout. C'est-à-dire, il va arriver à un moment où il y aura une telle maturité dans le monde que ses paroles pourront être écoutées, comprises par chacun et acceptées par le bon vouloir de chacun. Au contraire, chacun, il y verra la solution du monde dans Mashiach. Alors maintenant, on arrive à... Quand on arrive à Rosh Hashanah, on arrive à ce union-là, c'est-à-dire de Mashiach, mais juste avant Mashiach, avant le union de Mashiach, il y a de la colère, il y a beaucoup de rigueur. Pourquoi il y a beaucoup de rigueur? Parce que
Le problème, c'est de passer, c'est de passer du gratuit au payant. C'est ça le problème du monde. C'est-à-dire, Hachem, il a créé le monde gratuitement. Et il va donner un salaire à l'homme sur une gratuité. Alors ça, c'est pas accepté en haut. C'est-à-dire, les anges, ils acceptent pas ça. Ils disent, on ne comprend pas. Nous, on est là. On est là devant toi, dans les mondes supérieurs. Voilà. Pourquoi tu ne donnes pas à nous ce que tu vas donner aux hommes? Pourquoi tu ne le donnes pas à nous? Hachem dit, mais non, l'homme, lui, il va se battre avec le Yetzirah, il va faire les mitzvot, il va me chercher. Et vous, tout ça, vous ne pouvez pas faire. Il va avoir le choix entre le bien et le mal. Vous n'avez pas ces choix-là. Donc, Hachem, c'est ça l'argument d'Hachem. C'est-à-dire que l'homme, il fait des choix en permanence. C'est-à-dire en permanence, il choisit le bien, il laisse le mal, il cherche à Kadosh Baruch Hu, il fait du chesed, il fait de la tzedaka, il fait beaucoup de choses que les anges ne peuvent pas faire ça. Parce que les anges, ils n'ont pas le choix. Ils ont une telle vision d'Hachem qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ils ont pas une possibilité de dire non ou de fauter ou pas. C'est impossible pour eux. Il y a pas la notion de non, elle n'existe pas. La notion de fauter, ça n'existe pas. Mais maintenant, il y a juste un petit problème, c'est le passage. C'est-à-dire que quand on se trouve après la création, dans le système comme on vit nous aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que du moment où on a la possibilité de faire les choix entre le bien et le mal, alors ça nous donne un faire-valoir devant les anges et tout, que Hachem il vient et dit, mais regardez, voilà, ils font ça, etc. Mais maintenant, avant qu'on puisse faire ça, il y a eu du gratuit. Le gratuit, c'est quoi? C'est la création du monde gratuite. Il n'y a personne qui a payé pour ça. Donc ça, cette gratuité de la création, c'est-à-dire cet acte gratuit qu'Hachem, il a créé le monde pour donner à l'homme la possibilité d'avoir un salaire. Alors ce passage-là, il est difficile. Ce passage, il est difficile parce que ça a l'air un petit peu. Ça fait pas très sérieux, si on veut, par rapport aux anges. Ça n'a pas l'air très sérieux comme Inyan. Pourquoi? Parce que les anges, ils disent, on ne comprend pas. Ce système-là, tu l'as fait gratuitement. L'homme, il t'a jamais demandé de le créer. L'homme, il t'a jamais dit, fais-moi un monde avec des épreuves et éprouve-moi pour me donner un salaire. L'homme ne t'a rien demandé. C'est toi qui as mis en place ce système. Et ce système-là, une fois qu'il a été mis en place, alors là, l'homme, il est arrivé et il a commencé à faire des bêtises, etc. Et après, petit à petit, il y a eu des tzadikim, tout ça. Le monde, il a commencé petit à petit à s'arranger jusqu'à arriver à Mashiach. Donc, quand on arrive au jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création du monde, on retombe dans ce problème-là. C'est-à-dire de cette rigueur-là qui vient les masser, nous accuser sur notre existence même. C'est-à-dire que c'est quoi cet être humain-là? Ma enosh ki tezkerenu. Les anges viennent et disent, qui c'est l'homme que, Bichlal, tu parles de lui? Qui c'est l'homme, un morceau de viande comme ça, qui fait des bêtises la plupart de l'année? De quoi tu parles? Ils viennent devant Hachem, ils accusent. Parce qu'ils disent, et le point le plus fort dans l'accusation, c'est la gratuité. C'est le fait que c'est gratuit. C'est pour ça que les tzadikim, vous verrez que les tzadikim, jamais ils prennent des choses gratuites dans ce monde. C'est-à-dire, toujours les tzadikim, ils payent. Ils payent. Et aussi, ils marchandent pas. Le Harizal, jamais il marchandait. Quand il achetait quelque chose, le prix qu'on lui disait, il le payait. Des fois, tu vois sur le visage d'un vendeur, il te dit un prix, tu dis d'accord, tu prépares à payer, et tu vois son visage qu'il est gêné parce qu'il t'avait fait un prix plus fort, parce qu'il pensait que tu allais marchander. Et maintenant, tu n'as pas marchandé, il se trouve un petit peu embêté parce que lui, son vrai prix, il tient compte du marchandage. Et si tu ne marchandes pas, alors tu le mets un peu dans une situation qui est un petit peu gênante. Pourquoi maintenant les tzadikim, ils ne marchandent pas? Pourquoi les tzadikim, ils ne veulent pas du gratuit? Parce que le gratuit, ça réveille le dîn dans le monde. Tout ce qui est gratuit, ça réveille le dîn. Et d'ailleurs, toute la citrahara, tout le côté négatif, il s'appelle gratuit. C'est comme ça qu'il s'appelle. Le chinam, c'est le nom de la citrahara. La Sitrahara s'appelle gratuite, c'est le nom. Pourquoi c'est gratuit? Parce que la Sitrahara, elle fait rien du tout, elle fait que voler ce qui est donné à l'homme. La Sitrahara, elle récupère des choses, mais la Sitrahara, elle n'a pas le droit à l'existence en soi, c'est-à-dire le Satan, il n'existe pas de par lui-même.
Seulement, il prend l'énergie des gens, il vole l'énergie des gens. Pour ça que lui s'appelle le gratuit, parce qu'il est né de cette rigueur-là, de la gratuité. Et ça, c'est un problème, c'est le problème fondamental de l'humanité. C'est-à-dire, pourquoi on est accusé à Rosh Hashanah ? C'est sûr que maintenant, à Rosh Hashanah, on est jugé par rapport à tout ce qu'on a fait, etc. Et bon, Hachem, qu'on a des bons avocats, on a Rabbi Nachman, il est avec nous, il nous défend, etc. Et il nous arrange pour que le jugement se passe bien. Mais Bezrat Hachem, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le fondement même, que maintenant, on nous a donné gratuitement la possibilité de nous enrichir, ça, il y a un petit problème. C'est comme si vous prenez un exemple, quelqu'un, il a construit une usine à son fils. Alors, il lui construit une usine, il lui donne l'usine gratuitement, avec tout, etc. Et le fils, il commence à travailler, et il gagne sa vie, il s'enrichit, etc. Mais on vient me dire, mais lui, il a fait ça parce que tu lui as fait l'usine gratuitement. Fais-moi, moi, une usine gratuitement. Moi aussi, je vais faire le bien. Pourquoi il gagne bien? Parce que tu lui as créé la structure dans laquelle il peut gagner. C'est ça le quart de l'accusation des anges. Alors quand maintenant, en plus, l'homme, il méprise la création par son comportement, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui est contre le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire il se révolte contre le pouvoir d'Hachem, il fait des avérotes, etc. Alors là, l'accusation, elle s'ajoute encore plus sur ce principe-là. Et là, ils viennent, les anges, avec vraiment des... Ils disent, on t'avait dit, ça sert à rien. On t'avait dit que ça sert à rien. Tu fais de l'assistanat. Tu crées un système où les gens, maintenant, ils ne t'ont jamais demandé de les créer. Alors maintenant, les gens, ils viennent, ils sont blasés. Parce que c'est normal, tu leur as créé un monde gratuit. Il est gratuit, le monde. Ok, le gars, il a planté des pommiers, il a planté des... Mais qui est-ce qui a créé le pommier? C'est pas un homme. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a entretenu, il a pris des graines, il en a planté d'autres, etc. Mais le premier pommier du monde, c'est pas un homme qui l'a fait. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pas l'homme qui l'a fait. Tu lui as fait une structure, et de cette structure, après, il l'a développée. Mais maintenant, il est un petit peu orgueilleux, il regarde un peu de haut. Pourquoi? Parce qu'il a un sentiment de profiter de quelque chose de gratuit. Et c'est sur ça qu'il y a l'accusation de... Ce qui parle ici Rabbi Nathan, c'est ça. C'est-à-dire que ce passage-là, entre avant la création et après la création, c'est un passage difficile. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait créer le monde avec la rigueur. Pourquoi? Parce que cette rigueur-là, elle aurait adouci la rigueur des anges. Elle dit, regarde, c'est comme si quelqu'un il dit à son fils, regarde, je te construis une usine. Ce que tu veux, je te donne tout le matériel qu'il faut, tout. Je te donne même trois mois, je te paye l'électricité, je te paye les employés, tout. Mais après, je ne veux plus entendre parler de toi. Ne viens pas un jour me dire, prête-moi, j'ai une difficulté de fin de mois, parce que là, ça ne va pas aller du tout. Ça, c'est pour ça qu'Hachem voulait créer le monde avec de la rigueur. Parce qu'il dit, ok, je vous fais cadeau un monde, mais attention, après, il n'y a plus de cadeau. Je vous fais cadeau tout le monde, c'est-à-dire je vous donne la possibilité de vous enrichir dans ce monde. Mais après, ne venez pas, il n'y a plus de cadeau. Après, vous bougez, je vous punis tout de suite, parce que je vous ai donné une structure gratuite. C'est pour ça qu'Hachem voulait créer le monde avec la rigueur. Mais il a vu que ce n'est pas possible, que l'homme n'y tient pas. Parce que l'homme, il vient avec l'autre côté, c'est-à-dire les anges, ils accusent d'un côté, mais l'homme, il accuse de l'autre côté. Pourquoi l'homme, il vient, il fait le malin, il fait le gars avec l'homme, il dit, mais moi, je t'ai demandé de me créer, moi. Moi, je t'ai demandé de me créer. Moi, je t'ai demandé de créer le monde, je t'ai rien demandé, moi. Quoi, tu m'as créé, maintenant, je vais payer pour ça? Ça va pas, non? Mais c'est toi qui m'as créé. Machin dit, mais je t'ai créé pour te faire du bien, d'accord, mais moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai demandé quelque chose, j'existais pas. C'est difficile, c'est-à-dire ces deux côtés, ils sont difficiles. C'est le lien de Elul, Anil et Dodi, Vedodili, c'est-à-dire que maintenant, on est entre deux choses. Alors nous, on dit Hachem, Hachivenu Hachem Elecha Venashuva. Hachem, ramène-nous vers toi, et comme ça on va faire Tshuva. Hachem, il dit non, Shuvu Elai Venashuva Alechem. Venez-vous vers moi, et moi je viens vers vous, il n'y a pas de problème. Faites un pas vers moi, et moi je viens vers vous. Nous on dit non. Ramène-nous vers toi.
Alors, ce dilemme-là, cette discussion-là, c'est ça le problème du monde. C'est-à-dire, le problème de Rosh Hashanah, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, d'un côté, il y a l'accusation d'en haut, de la pression, qu'ils viennent les anges, ils disent, mais c'est quoi ces gens-là que tu as créés gratuitement? Tu leur as fait un monde, etc., pour leur donner la possibilité de s'enrichir. Et regarde ce qu'ils font, eux. Et nous, on vient en disant, mais nous, on t'a rien demandé. Nous, on t'a rien demandé. Alors, qu'est-ce que tu exiges de nous maintenant? Tu nous obliges à l'existence et après tu veux que nous on soit heureux, qu'on soit joyeux et tout. Tu nous obliges à exister. Laisse-nous vivre quand on a envie de vivre. Pourquoi tu nous obliges à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire? Laisse-nous faire ce qu'on a envie. Il y a un dilemme comme ça. Il y a une difficulté à assembler ces choses-là. Alors le jour de Rosh Hashanah, ça vient bédiouk ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah pour adoucir la rigueur? Qu'est-ce qu'on fait? On dit. Le Hachem, c'est le roi. C'est lui le roi. Hachem, c'est le roi. C'est le roi du monde. C'est le roi de l'univers. C'est le roi des hommes. C'est lui le roi. C'est le roi du jugement. C'est le roi de. On dit, c'est toi, c'est toi. On donne tout le pouvoir à Hachem. Et c'est comme ça qu'on adoucit la rigueur. On dit, non, c'est toi le patron. C'est toi le patron, c'est toi qui nous as créés, on te remercie et on voudrait être vraiment comme ce que tu attends de nous, on voudrait devenir maman, ce que tu attends de nous, etc. C'est avec ça qu'on va adoucir la rigueur. Parce que si qui vient, quelqu'un, il fait le malin, il vient avec des paroles qui sont déplacées et il va se faire ramasser à Rosh Hashanah. Il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne sans aucune tahana. C'est-à-dire, il ne peut pas venir avec des revendications à Rosh Hashanah. Quelqu'un, il a intérêt à fermer sa bouche. Il vient sans aucune revendication. Parce que d'abord, il a été créé gratuitement. On lui a donné une structure gratuite. Et en plus, il fait des bêtises. Tu comprends? Donc vraiment, il faut qu'il passe le plus inaperçu possible. Alors maintenant, ça, quand Hachem, il retourne ça, c'est-à-dire quand Hachem, il arrive avec les tefillot du Ham Israël, avec le Rosh Hashanah de Rabbeinu, qui adoucit la rigueur du monde, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? De ça, il y a le souffle messianique qui vient dans le monde. Parce que le souffle messianique, c'est la reconnaissance de l'homme, c'est la, pardon, ce que je voulais dire, c'est la reconnaissance d'Hachem par l'homme, mais de son propre choix. C'est ça le souffle de Mashiach. Le souffle de Mashiach, c'est quand j'ai décidé de faire régner Hachem de mon propre gré. Ça, c'est Mashiach. C'est ça ce qui s'appelle Mashiach. C'est-à-dire, quand Vaya Hachem, les Melech al Kol Haaretz, quand maintenant tous les peuples de la terre reconnaîtront le pouvoir d'Hachem de leur propre gré, pas parce qu'on va les obliger, parce que si on les oblige, on n'a rien gagné du tout. Vous voyez toutes ces religions où viennent massacrer les gens pour soi-disant, au nom de Dieu, ils massacrent des gens. Mais c'est des déformations totales. C'est-à-dire, c'est des choses qui proviennent d'une déformation de la religion totale. C'est-à-dire, il n'y a pas, ça n'existe pas d'obliger les gens à croire dans Hachem. Il n'y a pas quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a, c'est quelque chose qui est contradictoire. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à croire dans Hachem. C'est une contradiction de dire ça. Parce que maintenant, tout le Inyan qu'Hachem, il attend, et Hachem, il se cache, c'est pour que tu puisses le découvrir de ton propre gré. Et il se cache le moins possible, il te fait des appels, mais il te fait des appels pour essayer de t'enlever presque le libre arbitre, pour qu'il ne te reste presque pas le choix. Il te fait des appels, des appels, des appels, pour que tu puisses le reconnaître. Parce que lui, Hachem, pour qu'il ait réussi son affaire, c'est-à-dire le nian du monde, il faut qu'on le reconnaisse de nos propres gré. Maintenant, même si les tzadikim, ils nous poussent la main un petit peu, même si on est un petit peu influencé, mais on signe de plein gré. Comme tu vas, tu signes, tu dis, monsieur, on te dit, monsieur, vous avez bien lu tout ce qu'il y a écrit avant de signer, parce que est-ce que vous êtes conscient de ce que vous signez? On dit, oui, il n'y a pas de problème, on est d'accord, on signe, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous, on fait un choix. On dit, voilà, Hachem, nous, regarde, nous on veut de la Torah, nous on veut être avec toi, nous on te reconnaît comme maître. La preuve, c'est qu'on prie. Du moment où on prie, ça veut dire qu'on reconnaît ton pouvoir. La prière, c'est la reconnaissance du pouvoir. C'est ça la prière. Quand tu viens demander, ça veut dire que ça y est, tu as mis les éléments en place. Voilà le patron, voilà les serviteurs, voilà le roi.
Et voilà les serviteurs, ou les sujets, pour dire le serviteur, les sujets du roi. Donc quand un sujet vient, il prie, ça veut dire qu'il a reconnu Hachem. Donc quand on a une difficulté, quand on a un besoin, ou même si on n'a pas, le fait qu'on dit, qu'on dit Hachem, qu'on s'habitue à demander Hachem pour chaque chose, ça fait régner Hachem. Ça, c'est messianique. C'est-à-dire, quand quelqu'un il va faire quelque chose, il va sortir faire des courses, il demande à Hachem, voilà, sois avec moi, aide-moi à choisir ce qu'il faut, à faire que tout soit bien, etc., tout se passe bien. Le fait qu'il s'exprime devant Hachem avec sa parole, ça fait reconnaître le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que Mashiach, il va utiliser que la parole. Parce que si jamais Mashiach, il utilise les mains, c'est fini. C'est pas Mashiach. Mashiach, il ne peut pas utiliser les mains. Mashiach, il utilisera la parole. Il va convaincre le monde en parlant. Et même en parlant, il ne va pas parler dur. Même en parlant, il ne va pas parler dur. Il ne va pas casser les gens. Parce que s'il casse les gens, ce n'est pas bon aussi. Parce que c'est facile de casser des gens. Ce n'est pas difficile. Quelqu'un qui a de la Torah, qui connaît les secrets de la Torah, qui quinte tous les gens, c'est des idiots par rapport à ce qui est écrit dans la Torah. Même les gens les plus intelligents du monde, c'est des idiots par rapport à la chorma de la Torah. Donc quelqu'un qui maîtrise un peu la Torah, il peut prendre les gens et les casser complètement. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Il y a certains religieux qui sont contre un peu les gens de séminaires qui font à des gens des séminaires pour des gens non religieux. C'est-à-dire ils réunissent des gens non religieux, ils font des séminaires de 2 ou 3 jours. Et pendant ce séminaire-là, ils font des discussions, c'est-à-dire les gens ils parlent, c'est des débats. Alors maintenant, c'est sûr que les gens qui viennent, ils ne font pas le poids par rapport à des rabbanim qui sont équipés, des rabbanim qui connaissent un peu la Torah. C'est sûr qu'un commun des mortels, un Ben Adam Pashut qui ne connaît pas la Torah, il ne fait pas le poids. Il a des réponses à tout, le rabbe, surtout. Donc après, il le casse, le bonhomme. C'est-à-dire, il fait avec lui comme un débat, c'est-à-dire un débat de discussion, que Béhémeth, c'est une bagarre, mais une bagarre en parlant, et il le casse, et le bonhomme, il rentrait cassé. Donc maintenant, il a fait tchouva, mais parce qu'il a été cassé. Mais c'est pas terrible. C'est sûr que c'est bien, si la personne... Il y a des gens qui ont démarré comme ça, ça les a fait démarrer, ils ont commencé comme ça, puis après, ça y est, ils sont engagés dans la Torah, etc. Mais à Falpiken, c'est un principe un petit peu accéléré. C'est-à-dire cette violence verbale, un petit peu, cette violence du raisonnement, c'est un petit peu agressif des fois. Et ça entraîne que la personne ne s'engage pas avec son cœur. Parce que comme elle a été agressée dans sa façon de voir, c'est-à-dire elle a eu un débat qui a cassé sa façon de voir, que la personne se trouve un petit peu blessée à l'intérieur, donc elle ne met pas vraiment son cœur dedans. Elle le fait par obligation parce qu'on lui a prouvé qu'elle avait tort, donc elle accepte d'avoir eu tort, mais au fond d'elle, elle est un petit peu... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rejet de ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte dans les séminaires, bon, en Israël et tout, où ils font beaucoup de ce genre de séminaires, ils ont vu qu'il y a une grande partie des gens qui lâchent après, c'est-à-dire ils se rapprochent, mais après ils lâchent, parce que c'est pas quelque chose qui vient avec un éveil de... C'est vrai que la personne uniquement de venir au séminaire, c'est un éveil d'en bas déjà. Mais ça ne suffit pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça suffit, il y a des gens pour qui ça ne suffit pas. Tout dépend du degré de révolte de la personne et combien elle est enfouie dans sa galoute personnelle. Donc maintenant, tout ce principe-là, c'est-à-dire ce principe messianique, c'est ça, c'est de faire accepter le pouvoir d'Hachem de bon gré. C'est-à-dire que la personne, elle dise, je reconnais que c'est Hachem le roi du monde. Voilà, vous m'avez convaincu, c'est-à-dire dans ce que j'ai vu, dans vos paroles, j'ai compris que c'est ça. Que la vérité du monde, c'est Hachem, je le vois maintenant, et j'ai compris que c'est ça la vérité. Quand on arrivera à ça, voilà, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est la personne qui va faire régner le pouvoir d'Hachem dans le monde. Alors ça a commencé avec le premier roi du monde, c'est-à-dire avec le premier roi, bon, le premier roi c'était Shaoul, mais il n'a pas tenu tellement longtemps parce qu'il a eu un petit peu de difficulté justement dans la soumission à Hachem, donc ce n'était pas possible qu'il continue à être roi. Il a eu des problèmes, des difficultés à tuer Amalek, et donc Hachem, il a dit, tu ne peux pas être un roi. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne peux pas être un roi. Donc c'est David Ameler qui a commencé. David Ameler, il a pris la royauté
la royauté totale, puisqu'on appelle de Malchut Bet David, c'est-à-dire qu'on appelle la royauté de la maison de David, c'est-à-dire c'est lui qui a fait venir le principe de la royauté d'Hachem, Beshlemout, de façon parfaite dans le monde. Et même lui, comme il a fait beaucoup de guerres, il a tué beaucoup de gens, même lui, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash, c'est Shlomo qui l'a construit. Donc même lui, Hachem, quand il a vu que David il a régné sur toute Eretz Israël, parce que ça lui a pris du temps à régner. Je sais pas, 14 ans ou 20 ans, il a mis à régner David Ameller. Ça a été très long avant que son pouvoir il se mette en place. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient contre lui. Il y avait beaucoup de gens qui sont restés attachés à Shaoul, après des gens qui ont été avec son fils Avshalom. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup, beaucoup d'histoires avec David Ameller. Il n'a pas eu une vie facile du tout, du tout. Il a une vie de souffrance terrible. Mais c'est lui le principe de Mashiach, c'est-à-dire la royauté d'Hachem. Donc lui, il n'est pas arrivé à instaurer la royauté d'Hachem de façon parfaite. Bien qu'apparemment, il a été accepté comme roi sur tout le peuple d'Israël, mais Hachem, il lui a dit, c'est vrai, mais c'est pas encore ça. Donc tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash et ton fils Shlomo, il le construira, etc. Et même Shlomo lui-même, il a fauté, etc. Bon, c'était pas. Les choses ne sont pas arrivées à se faire de façon parfaite. Maintenant, quand Mashiach viendra, alors lui, il va instaurer une royauté parfaite. La royauté parfaite, c'est-à-dire un pouvoir parfait, mais un pouvoir consenti par le peuple, par toutes les nations. Sinon, ce n'est pas Mashiach. Donc, voyez comment la chose elle s'est mise en place, c'est-à-dire entre la création, l'avant-création, la pré-création. Et le principe de Mashiach. Voilà, un petit peu, je fais un petit résumé général pour voir un petit peu où on met les pieds là. Donc on va rentrer maintenant. Bête, alors Rashi dit, pardon, Rashi Rabbi Nathan dit, Vezeu Sheita Basfarim, She Mashiach Yavo, Misitra de Yitzhak. Donc c'est écrit dans les Sfarim que Mashiach viendra du côté de Yitzhak. C'est-à-dire que le principe de Mashiach, c'est un principe qui va venir du côté de la rigueur. Pas d'un côté de la miséricorde, d'un côté de la rigueur. Sheye nimtak pachad Yitzhak v'yenaaseh Yisrak. Donc maintenant, pourquoi Mashiach il va venir du côté de Yitzhak? Parce que on va transformer la peur de Yitzhak en Yisrak, c'est-à-dire en joie. En joie. C'est pour ça que Sarah elle riait quand Hachem il a dit tu vas avoir un fils. Alors il dit, mais pourquoi elle rit? Elle riait, Sarah. Pourquoi? Parce que c'est ce rire-là, le rire de Yitzhak, c'est-à-dire cette rigueur de Yitzhak qui va se transformer en rire. Aynu kanal. Chez Galut Ruach chez le Mashiach, ou à l'idée Amtakat Haron Af, que maintenant toute la révélation de Mashiach, elle va être par l'adoucissement de la rigueur, de la colère. Dainu tokefadin, c'est-à-dire la rigueur dans toute sa puissance. Sheu pachad, qui est la peur, c'est-à-dire la peur, cette peur-là qui vient de la rigueur, elle va être adoucie. Sheu prinat pachad Yitzhak et yadoa, shanu mamtikin pachad Yitzhak b'Rosh Hashanah. C'est que ça qu'on adoucit la peur d'Yitzhak à Rosh Hashanah, ou kshenimtak nidgale ruho shel Mashiach. Maintenant, quand on adoucit la rigueur de Yitzhak, c'est comme ça qu'il y a le souffle de Mashiach qui se révèle dans le monde. Donc, à Rosh Hashanah, on sonne du shofar avec le bélier de Yitzhak, et c'est le jour aussi de la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire que le nyan de Akedat Yitzhak, c'est-à-dire du sacrifice d'Yitzhak, c'était aussi à Rosh Hashanah. Parce que pourquoi il a fallu faire le sacrifice d'Yitzhak? Parce que il a fallu sacrifier la rigueur. C'est-à-dire il fallait montrer que la rigueur, ça n'est pas elle qui dominera le monde. Que la rigueur, elle sera adoucie et de la rigueur, il va sortir un rire, une joie extraordinaire. C'est-à-dire cette joie-là, c'est le résultat de la mise en place de la royauté par la rigueur. C'est-à-dire que maintenant, le fait que la rigueur, elle va pousser les gens à chercher. Ensuite, quand les gens ils vont trouver de par eux-mêmes, ils vont faire leur choix de par eux-mêmes, à ce moment-là, cette rigueur qu'il y avait au début, ça va être un rire. Pour donner un exemple, c'est comme si vous voulez un rapport entre un père et un fils. C'est-à-dire maintenant, le père,
Le père, il demande à son fils de faire quelque chose. Maintenant, le fils, il n'a pas envie de faire ça parce que ça ne l'intéresse pas. Ok, le père, il va utiliser un petit peu de rigueur et il va lui dire, bon, il faut absolument que tu le fasses, etc. Donc, le fils, il va écouter son père, il va le faire. Maintenant, quand le fils, il a écouté, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il a accepté parce que son père, il a un peu de pouvoir sur lui, il lui fait peur un petit peu. Donc, le fils, il le fait. Mais une fois que le fils, il a fait ce que son père, il lui a demandé de faire, et qu'il s'est rendu compte que ce que son père lui demandait faire, c'était pour son bien, lui. Alors après, il y a un rire qui vient. C'est-à-dire après, il est joyeux parce que Baruch HaShem, il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi ce qu'il devait faire. Comment? En écoutant son père. Mais pour écouter son père, il y a eu une apparence de rigueur qui s'est mise en place, parce que la rigueur, elle est venue du fait que l'enfant, il n'était pas conscient de la chose. Si l'enfant, il avait été conscient, il n'aurait pas eu besoin de rigueur du tout. Mais comme l'enfant, il n'était pas conscient, alors le père, il a utilisé un peu la rigueur. Donc maintenant, le principe de Yitzhak, c'est ce principe-là de la rigueur qui était antécédente à la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il voulait créer le monde avec de la rigueur. C'est le principe de Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est le premier juif du monde. C'est le premier être qui est né juif dans le monde. Alors cet être-là, il était entièrement de la rigueur. Entièrement de la rigueur. Maintenant, si on adoucit ses pas, le monde, non seulement le monde, il n'aurait pas avancé, mais le monde, il serait détruit. Parce que lui, il était capable d'accuser l'humanité entière, uniquement par le fait de ce qu'il était, c'est tout. Il était tellement kadosh, tellement pur, tellement différent de tous les êtres qu'il y avait eu jusqu'à présent, que ça représentait une image qui était accusatrice par rapport à toute l'humanité. Donc Hachem, il a commencé tout de suite par dire, tu lui fais Akedat Yitzhak, tu vas sacrifier Yitzhak. Avec ce sacrifice-là, il a adouci à Yitzhak. Alors cet adoucissement de Yitzhak, il va amener le rire après. C'est un petit peu aussi ce qu'on peut comprendre quand c'est écrit que Ishmaël, il jouait avec Yitzhak. C'est-à-dire, il jouait avec Yitzhak, mais les Maasé, il essayait de le tuer avec des flèches. Il essayait de le tuer avec des flèches, et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je m'amuse, c'est tout. Il se roque, je m'amuse, c'est tout. Je suis en train de m'amuser, c'est pas sérieux ce que je suis en train de. Je sais pas que je veux le tuer, je m'amuse, c'est tout. Mais Bémet, au fond de lui, il avait l'intention de tuer Ishmaël à Yitzhak, parce qu'il était jaloux de Yitzhak. Il savait qu'est-ce que c'était Yitzhak. Alors il essayait, en faisant semblant de jouer, les mains assises, il voulait tuer Yitzhak. Et ça, si vous voulez, le côté de Ishmaël qui est le côté, si vous voulez, que de regarder le côté bien, c'est-à-dire que de dire que Hachem, c'est que du bien, que tout est décidé, que l'homme, il n'a pas le choix du tout dans ce monde, que tout est mektoub, tout est écrit, et l'homme, il n'a pas de choix à faire, c'est Hachem qui décide pour l'homme, etc. Cette attitude-là passive, l'émincée, elle vient de ce que Yitzhak, il a besoin pour l'adoucir. C'est pour ça qu'il y a cette guerre entre les deux, si vous voulez, entre Ishmaël et Yitzhak. Parce que Ishmaël, lui, représente, il veut faire croire que lui, il croit dans le pouvoir parfait d'Hachem. Que Allah, c'est Allah, c'est lui qui décide tout, tout est décidé, et l'homme, il n'a rien à dire, et l'homme n'a rien à faire. Mais non, c'est pas Hachem, il te dit que toi, tu dois faire. Et tu dois faire quoi? Tu dois le faire régner dans le monde. Et pas en tuant des gens. Tu dois le faire régner dans le monde par un choix de comportement par rapport à la parole d'Hachem. Et ça demande de la rigueur. Maintenant, cette rigueur-là, Ishmaël, il ne la veut pas. Donc maintenant, il a habillé toute l'attitude par rapport à Hachem dans des chassadim, soi-disant. Soi-disant de la bonté. Mais ce n'est pas de la bonté. Derrière cette bonté-là, il y a un refus de faire régner Hachem, Béhémet. Il y a un refus, c'est-à-dire ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que l'homme, il dit, ok, tu as créé le monde et tout, alors ok, débrouille-toi, qu'est-ce que je fasse, moi? Tu as créé le monde, oui, Hachem, tu as créé le monde, tu as mis des trucs, alors débrouille-toi avec ton monde, voilà ce que tu veux, on est là, nous faisons ce que tu veux, c'est tout, nous on est là. Tu as voulu créer le monde, ok, très bien, c'est tout. Non, mais Hachem, il veut pas ça, Hachem, il veut que tu participes, Hachem, il veut que maintenant, tu gagnes ta vie.
Il veut que tu travailles et tu gagnes ta vie. Il veut pas que tu te bases, tu dis tu as créé le monde, continue à m'entretenir. Non, 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 moi je ne t'entretiens pas. Moi je ne t'entretiens pas. Et vous verrez dans l'attitude générale de Ishmaël qu'il est comme ça. Vous verrez que maintenant ils se rendent compte. Voilà maintenant l'Arabie Saoudite ou des pays comme ça, ils veulent faire le shalom avec Israël, etc. Parce qu'ils se disent, écoute, on a de l'argent, on a le pétrole et tout, mais nos pays, eux, ils sont pas construits. Il faut qu'on construise des usines, des hôpitaux, des trucs. Il y a besoin de chokhma, on a besoin de savoir-faire, des gens qui nous apprennent à faire. Nous, on sait rien faire du tout. Nous, l'or, il sort de la terre et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Une fois qu'on a, qu'est-ce qu'on, il faut qu'on vive aussi. Il faut qu'on sache faire. Alors, le savoir-faire, il vient quand il y a un petit peu de rigueur. Il faut un peu de rigueur pour le savoir-faire. Et lui, Ishmaël, il veut pas la rigueur. Alors, ça, la Torah, elle fait allusion aussi à ça dans le jeu entre Ishmaël et Yitzhak. C'est-à-dire que lui, Ishmaël, il utilise le rire. Il dit, mais regarde, pourquoi tu me dis Yitzhak, c'est celui qui fait peur, et la rigueur et la peur et tout. Mais à la fin, tu l'appelles toi-même Yitzhak, ça veut dire il va rigoler. Le mot Yitzhak, ça veut dire il rira. C'est ça veut dire Yitzhak. C'est-à-dire, il rira pas maintenant, il va rire après. Comme on dit, rira bien, qu'il rira le dernier. Il va rire à la fin. Mais maintenant, il rigole pas du tout, Yitzhak. Yitzhak, c'est pachad Yitzhak. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est la peur. C'est-à-dire, quand tu vois Yitzhak, tu trembles de peur. Parce qu'il montre, c'est un morceau de la royauté d'Hachem sur terre. Donc, ça fait très, très peur. Maintenant, celui-là, on te dit après, tu vas voir, il va rigoler à la fin. Alors lui, Ishmaël, il dit, mais moi, je rigole. Puisque Yitzhak, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il va rigoler. Alors moi, je rigole déjà, c'est tout. Il dit, non, non, mais c'est pas maintenant le temps. Maintenant, c'est pas le moment de rigoler du tout. Maintenant, il faut travailler maintenant. Faut pas rigoler. On rigolera à la fin. Maintenant, tu travailles. À la fin, on va rigoler, pas maintenant. Alors ça, c'est le principe du souffle de Mashiach. C'est-à-dire, Mashiach, c'est l'adoucissement de la rigueur et c'est le rire. C'est-à-dire, le rire, il va venir à ce moment-là. Le véritable rire, il viendra à ce moment-là, quand la royauté d'Hachem, elle sera en place. Alors, à ce moment-là, ça va venir ce rire qui est l'adoucissement de la rigueur. Alken itgalé zot be Rosh Hashanah. Donc, ce principe-là, il se révèle à Rosh Hashanah. Utsrichim le otsim koach el apoal, sheifatru ve itchalku hayadayim be prinat poteach et yadecha. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah? On doit faire sortir du potentiel à la réalité. Hachem, il t'a donné une structure où il y a beaucoup de potentiel. Et il faut que tu fasses naître ce potentiel-là, que tu le mettes dans la réalité. Un homme, il a beaucoup de potentiel en lui. Mais la plupart des gens sur Terre, ils n'ont jamais utilisé leur potentiel. Ils ont vécu comme des animaux. Ils n'ont pas vécu avec le potentiel qu'ils avaient à l'intérieur. Donc maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on va faire passer tout ce qui est potentiel. On va le faire passer dans la réalité, c'est-à-dire dans la construction. Donc, c'est-à-dire qu'on fait que les mains, elles vont se séparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir, comme on dit, poteach et yadecha. C'est-à-dire qu'Hachem, il ouvre tes mains. Tes mains, elles vont s'ouvrir. Ça veut dire elles vont s'ouvrir. Ça veut dire qu'avant, tu avais les mains qui étaient toutes les deux mains, elles étaient une seule chose, collées. C'est-à-dire que tu fais rien du tout. Tu es là et tu attends que Hachem y fasse tout. Maintenant, on te dit non, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. C'est-à-dire que maintenant, commence à réaliser, à faire sortir tout le potentiel qui est en toi. C'est-à-dire, utilise le principe des mains. Altikriyadecha elayudecha. Alors, les Chachamim nous disent, ne dis pas tes mains, mais dis tes yudim, les yuds, les deux yuds. Dainu, ashne yudim, shel shne shemot. Yudke, Vavke et Adnout, Shemprinat Yud, Berosh, Veyot, Basof. Alors ça, c'est les deux noms d'Hachem. Hachem, il a deux noms, c'est-à-dire il a le nom de Yudke, Vavke et il a le nom de Adnout, c'est-à-dire de maître. Maintenant, au début de Yudke, Vavke, il y a un Yud et à la fin de Adnout, il y a un Yud. Maintenant, ces deux Yuds-là, ces deux Yuds-là, ils sont collés et il faut les séparer. Il va expliquer, Rabbi Nathan. Shemprinat Yud Berosh veYod Basof. C'est-à-dire, il y a un Yud au début et il y a un Yud à la fin. Donc, quand on dit Poteach et Yudecha, et Yadecha, c'est Poteach et Yudecha. Ouvre tes Yud, c'est-à-dire, fais que le Yud qui était, c'est-à-dire l'action qui était incluse au début dans la Chorma, c'est-à-dire dans le projet, fais-la sortir, c'est-à-dire réalise le projet. Fais sortir le projet. C'est ça, sépare les deux yuds. Prinat koach ou poal. C'est-à-dire, ces deux yuds, c'est le potentiel et la réalité et l'action.
Comme on dit, sauf maase bemarchavatrila, que la fin de l'action, elle était dans la pensée au début. Shitralku vipatru alidea shisha otiot shibemza. Que maintenant, les deux yud, comment ils vont se séparer? Grâce aux six lettres qu'il y a au milieu. Quand vous prenez yud kevavke et adnout, il y a au milieu, il y a six lettres entre les deux yud. Ça, c'est le principe de l'endroit, de la forme et du temps qui se trouve dans le potentiel. Et dans l'action, il y a aussi le principe de l'endroit, de la forme et du temps. Que c'est les trois. Il y a trois noms, trois lettres dans le Shem Ha'etzem. C'est-à-dire le Shem Ha'etzem, c'est-à-dire le Shem de l'essence, c'est Yudke Vavke. Ça, c'est le nom de l'essence d'Hachem. Et le nom de Adnout, c'est ce qui s'appelle Shem Ha'kinouy. C'est-à-dire c'est un nom d'appellation. C'est-à-dire on l'appelle comme ça par rapport à, dans le monde où on se trouve, comme il est aujourd'hui, on l'appelle Adnout. Adon, ça veut dire maître. On l'appelle un maître. Mais Hachem, c'est pas un maître. Hachem, c'est le roi de tous les univers. Mais on l'appelle un maître parce qu'on le conçoit comme ça dans ce monde. Comme on est, alors on dit le maître du monde, c'est Adnout, c'est Adon, c'est-à-dire maître du monde. Alors ce maître du monde, il a un yud dedans, qui est le yud de l'action. Donc comme maintenant on est dans l'action, on dit le maître. Et il y a un yud qui est le yud de la conception, qui est le yud qui était avant même la création du monde. Et dans ce yud-là, il y a les mêmes éléments que dans l'autre yud, seulement ils sont en potentiel. Là-bas, c'est le plan, et l'autre, c'est la réalité. C'est comme si vous voyez le plan d'une maison. Alors, vous avez toute la maison, vous l'avez sur le plan, mais c'est un plan. Et après, vous avez la maison, elle est en brique, elle est là devant vous. Maintenant, entre les deux, c'est la même chose. Mais seulement un, c'est le plan, et l'autre, c'est la réalisation du plan. Maintenant, entre ces deux yud-là, il y a ces six lettres. Alors maintenant, au début, le deuxième yud, il est inclus dans le premier. Pourquoi? Parce que quand l'architecte il fait le plan, il n'y a pas de maison pour l'instant. C'est un dessin la maison, c'est tout. Il n'y a pas de maison. On n'a pas commencé. Maintenant, on te dit, sépare, fais sortir l'autre yud qui est collé avec celui-là de manière à pouvoir construire la maison. Alors tu vas séparer les deux yud, et ces deux yud-là, quand ils vont être séparés, tu vas voir que la chose, elle va être réalisée dans le monde. C'est-à-dire la chose, elle va se mettre en place dans le monde. C'est ça que « sauf ma'aseh v'marchavatrila », que la fin de l'action, elle était au début dans la pensée. « Shem prinat makor v'etziur » comme on a vu, « Shem ha'etzem et shakinu shah adizé elo shisha otiyot shem shesh prinot hanal » Et c'est ça qui va faire que la chose elle va sortir du potentiel à la réalité. Et ça se fait quand on a rendu la parole parfaite. Donc la parole, c'est l'outil de réalisation des projets. C'est-à-dire le projet qui est en potentiel dans la pensée, quand il descend dans la parole, il rentre déjà dans le monde de l'action. C'est pour ça que la prière, c'est considéré comme une action. C'est pour ça qu'on dit « avoda shebalev ». Le travail qu'il y a dans le cœur, c'est la prière. Parce que dès qu'on prie, ça veut dire qu'on a fait descendre la chose déjà dans la réalité. Dès qu'il y a eu prière, il y a eu réalisation déjà. Prière, c'est réalisation. Quand on emploie le mot « tfila », ça veut dire « réaliser la chose ». Dès qu'on prie, ça veut dire qu'il y a une intention de réaliser, on va. Et la prière elle-même, la parole elle-même, c'est une réalisation. Puisque la parole elle-même, elle est créatrice, c'est-à-dire dans l'action. Maintenant, comment les lettres de la parole, elles ont leur perfection? C'est par le monde futur, c'est-à-dire par la vérité. C'est le Yom Adin Agadol. C'est-à-dire on parle d'un Yom Adin Agadol. Le Yom Adin que de Rosh Hashanah, c'est un Yom Adin, c'est un jour de jugement. Il y a un autre Yom Adin, c'est le jour où la personne elle est décédée, elle est jugée. Et il y a Yom Adin Agadol, c'est
le jugement dernier, comme on appelle, où tout le monde va être jugé. Ce jugement-là, c'est un jugement dans l'absolu, par rapport aux autres jugements qui vont être dans le relatif. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, c'est relatif. Quand la personne elle est décédée, c'est un jugement relatif aussi par rapport à ce qu'il avait, comment il est né, où il était, etc. On va tenir compte de toutes les circonstances atténuantes. Mais le Yom Hadin HaGadol, le jour du grand jugement, là, il n'y a pas de... c'est un jugement absolu, c'est-à-dire c'est pour la perfection. C'est-à-dire ça, c'est la fin où tout le monde doit être parfait avant de pouvoir se lever à la résurrection des morts. Il faut une perfection pour chaque individu. Donc chaque individu, à ce moment-là, il devra être réparé de façon parfaite. Alors à ce moment-là, la parole, elle va avoir toute la puissance qu'elle a. Aujourd'hui, la parole, elle est faible par rapport à ce que ça peut être une parole. Mais à ce moment-là, quand il y aura le jour du jugement dernier, la parole, elle sera directement, elle sera réalisatrice, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est-à-dire la parole, elle fera directement exister la chose. Dès que quelqu'un le dira, ça existera. Rakhar tichim la'asot nekudot la'otiyot, l'otiya dibur metzar agaron. Maintenant, une fois qu'on a les lettres, alors il faut mettre des voyelles dans les lettres pour qu'elles puissent sortir. Sinon, les lettres, elles se trouvent dans l'étroitesse du Garonne. Pas de la Garonne, mais du Garonne. Le Garonne, c'est là. Et maintenant, quand les lettres, elles sont dans la gorge, c'est parce qu'elles n'ont pas de voyelles. Pour qu'elles montent de la gorge et qu'elles sortent par la bouche, il faut des voyelles. Sinon, tous les sons, ils restent dans la gorge. Si vous n'avez pas de voyelles dans les lettres, vous ne pouvez pas dire la lettre. La lettre, elle arrive dans la bouche quand il y a des voyelles. Alors maintenant, comment on fabrique maintenant les voyelles pour les lettres? C'est par les kisoufim, le khéchek, c'est-à-dire quand on a des désirs, des languissements, et on a envie de faire la chose. Alors ça va mettre des voyelles dans les lettres. Et à ce moment-là, et comment on a envie, c'est quand on a des empêchements. C'est-à-dire quand on a des empêchements, ça nous donne envie de faire la chose. Et cette envie qu'on a de faire la chose, parce que justement, il y a des difficultés, alors ça fait monter l'envie encore plus. Alors plus il y a de la difficulté, plus on a envie de faire la chose. Et cette envie-là, elle va mettre les voyelles dans les lettres, et ça va faire naître la parole, elle va sortir de la Garonne, c'est-à-dire du Garonne, pas de la Garonne, du Garonne vers la bouche. Zeprinat tet nikudin, et c'est ça les neuf ponctuations qui existent. Neuf rekein, c'est neuf cieux, il existe neuf cieux. Vazay keshesh nikudot laotiyot, venishlam adibur beshlemut, azay yotze mekoach al hapoel. Maintenant, quand il y a des voyelles sur les lettres, alors à ce moment-là, la parole devient parfaite et la chose, elle naît, la chose, elle va naître. Avant, c'était un projet, c'était une idée, maintenant la chose, elle va renaître. Donc maintenant, la naissance du projet, elle va dépendre de la parole, puisque c'est la parole qui va faire naître le projet. Donc maintenant, pour arriver à avoir une parole parfaite, il faut un désir, c'est-à-dire il faut un désir de réaliser. C'est-à-dire on va avoir l'idée, comme on dit, l'idée, elle va germer. L'idée, elle va germer, ça veut dire qu'on va avoir l'idée après, on va avoir un vouloir, et ce vouloir-là, il va mettre des points dans les lettres, et ces lettres, elles vont devenir ensuite créatrices, et la chose, elle va arriver à se réaliser, mamache. Donc la réalisation, elle va dépendre de combien la personne va désirer faire la chose. Alors tout ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'un résumé de la Torah que Rabbi Nathan il amène ici. La Torah que Rabbeinu il parle, c'est la Torah 66 dans l'Ikuté Moharan, et c'est la Torah de Pishnaïm. C'est-à-dire cette Torah, c'est une Torah qui parle de Pishnaïm, c'est-à-dire le Pishnaïm, ça veut dire deux fois. On apprend, on voit que quand il y avait Eliyahu Hanavi, il est mort, il est monté dans le ciel directement, d'accord? Il n'a pas eu de mort physique, il est monté vivant dans le ciel. Alors maintenant, quand il est arrivé le moment où il devait monter dans le ciel, il est parti pour faire ça discrètement, il ne va pas faire ça devant tout le monde. Donc il est parti avec un carrosse comme ça dans le désert, un endroit où il allait monter au ciel. Maintenant, il y avait son élève
qui s'appelait Elisha. Elisha, il suivait Elia Hanavi, ne lâchait pas. Alors, Elisha, il a dit, il suivait Elia Hanavi. Et à un moment, Elia Hanavi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux laisse-moi, je dois partir maintenant. Et alors, Elisha, il dit, moi, je veux Pishnaim Beruchacha Elai. Je veux deux fois de ton souffle sur moi. Deux fois de ton souffle sur moi. Alors maintenant, Bepashtut, Rachid explique que simplement, comment on voit que Elisha, il a eu deux fois le souffle d'Elia Hanavi, il explique comme ça, il dit voilà, quand ils sont partis, quand il y avait Elia Hanavi qui se sauvait pour aller dans un endroit pour monter au ciel, alors ils sont passés dans une rivière. Quand ils sont arrivés, Elia Hanavi, il suivait Elisha, la rivière, elle s'est ouverte et ils sont passés tous les deux. Maintenant, quand il est venu, Elisha, tout seul, il est revenu, la rivière, elle s'est ouverte. Donc, Rachid dit, voilà, quand à l'aller, elle s'est ouverte pour les deux, et au retour, elle s'est ouverte que pour lui. Donc, lui, il était devenu deux fois son maître, puisqu'il a fait la même réalisation que son maître. Rachid dit ça, bépachtout, simplement. Mais bien sûr que derrière ça, il y a beaucoup de secrets de la Torah. C'est pas uniquement le fait que la rivière s'est ouverte. Ça veut dire énormément de choses que l'élève, par le fait que l'élève, il s'inclut dans le maître, parce que l'élève lui-même, il s'appelle la réalisation du maître. Si un maître, il n'a pas d'élève, ça veut dire qu'il va disparaître, c'est tout. Comme il est venu, il va repartir. C'est-à-dire il va pas réaliser quoi que ce soit dans le monde. Comment un maître réalise ses projets? C'est quand il a un élève. Un élève, ça fait faire réaliser les projets du Rav. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, si j'avais pas eu Rabbi Nathan, il serait rien resté de moi. C'est-à-dire, il serait même pas resté des schémotes, des morceaux des papiers écrits comme ça. Il serait même pas resté ça, rien du tout. C'est de Rabbi Nathan qui a tout fait le union de Rabbeinu. Mais tout avec la force de Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est le deuxième Yud. Il y a le premier Yud et il y a le deuxième Yud. Il y a le premier Yud qui est le potentiel et il y a le deuxième Yud qui est une réalisation. Maintenant, chaque individu, il est comme ça. Chaque génération, elle devient le deuxième Yud par rapport au premier. C'est pour ça que chacun, il a son appartenance. Et on voit aujourd'hui que des gens qui... On dit celui-là, il fait partie de l'ancienne école, de l'ancienne génération. C'est-à-dire que lui, il est dans le Yud d'avant. Et maintenant, la génération de maintenant, elle est supposée réaliser ce qui était en potentiel dans la génération d'avant. C'est comme ça que le monde, normalement, il fonctionne. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin des temps, à réaliser tout ce qu'on devait réaliser. Parce que chaque génération, elle représente un potentiel par rapport à la génération d'avant. Alors ça aussi, c'est ce qui se passe au moment où un tzaddik il doit décéder. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grande ségoula d'assister au décès d'un tzaddik, c'est-à-dire au moment où sa neshama elle part. Pourquoi? Parce que le tzaddik lui-même, c'est-à-dire chaque individu est comme ça, mais le tzaddik c'est quelque chose qui se fait de façon très forte. C'est-à-dire le tzaddik il a deux âmes, il a l'âme d'en bas et l'âme d'en haut. C'est-à-dire, dans l'individu lui-même, chacun d'entre nous, il a une partie d'âme qui est faite pour vivre dans ce monde, et il a une partie d'âme qui est de l'autre monde. Et cette partie d'âme de l'autre monde, elle vient jamais ici. Quand elle vient, c'est pour emmener la personne. Donc, au moment où la personne, elle va être décédée, alors cette partie d'en haut, elle vient chercher la partie d'en bas. Donc, quand maintenant, quelqu'un, il assiste au décès d'un tzaddik, il est massé, il assiste à la partie de l'âme du tzaddik qui est en haut, qui vient chercher la partie d'en bas. Et à ce moment-là, une très grande révélation qui se fait, et celui qui mérite d'assister à ça, il reçoit une très grande énergie spirituelle dans sa neshama. À ce moment-là, c'est ce principe-là de Pishnaim aussi, c'est-à-dire de doublement ou de dédoublement, appelez comme vous voulez, c'est-à-dire les choses elles se doublent. Comme aussi pour Shabbat, c'est écrit aussi comme ça. Parce que Shabbat, c'est le principe du Olam Haba dans le Olam Hazeh. Parce que quand on dit Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, ça ressemble au Olam Haba. Mais le Shabbat, il est dans ce monde, on le fait dans ce monde. Ça veut dire qu'on amène un petit peu du monde futur dans ce monde. Donc il y a un principe de deux. C'est pour ça qu'on doit faire deux avec deux chalot tous les repas de Shabbat. Tous les chaque fois qu'on fait Motsi Shabbat, on fait avec deux chalot. Pourquoi? Parce que c'est ce Pishnaim-là. C'est-à-dire ce principe pour montrer
que chaque repas du Shabbat, ce n'est pas un repas de ce monde, c'est un repas des deux mondes. Le repas, il se fait des deux mondes. C'est sur les deux mondes qu'on va faire motzi. Ce n'est pas sur ce monde-là. C'est aussi sur l'autre monde. Il y a une présence de l'autre monde. Alors ça, c'est le principe de Pishnaïb. C'est toute une Torah, cette Torah 66-là. Bezrat Hashem, maintenant on est dans la Torah 36. On a encore dans 30 Torah, on arrivera à Bezrat Hashem. Et à cette Torah, peut-être ça va nous prendre encore 20 ou 30 ans, mais bon, ben dans Hachem, on n'est pas pressé, on a tout notre temps, on est là. Alors Guimel, il dit Rabbi Nathan, donc maintenant Rabbi Nathan, il va commencer maintenant la halakha. C'est-à-dire pour l'instant, il nous a un petit peu mis en place les principes de cette Torah pour qu'on puisse avoir accès à l'analyse de Rosh Hashanah et de ce qu'il veut nous dire de Rosh Hashanah par rapport à cette Torah-là. Guimel, Zeprinat Kol Shofar de Rosh Hashanah. Et ça, c'est le nyan du son du shofar qu'on sonne à Rosh Hashanah, qui colle des nafik mes shofar, zeprinat emet shidgale, beprinat olam haba. Parce que le son qui sort du shofar, c'est la vérité qui va se révéler, c'est le principe du olam haba. Qui kara emet leatid, parce que la vérité, c'est principalement dans le futur qu'elle se révélera de façon parfaite. Moshkatuv sham. Comme c'est écrit dans cette Torah-là, qui a kol ou prinat emet, parce que la voix, le son, c'est la vérité. Prinat Yaakov, comme je katouv kol, kol Yaakov. C'est le principe de Yaakov, de vérité. Comme c'est écrit, la voix, c'est la voix de Yaakov. Donc la voix, c'est la voix du emet. C'est-à-dire, le emet, c'est un son de voix. Prinat titen emet le Yaakov, comme il est écrit, tu donnes la vérité à Yaakov. Vei yotse mishofar. Et ce son-là, il sort du chauffard, que le chauffard, c'est le monde futur. Comme on va. Comme c'est écrit ce jour-là, c'est-à-dire dans le futur, alors il y aura un grand son de chauffard qui va sortir. C'est-à-dire que le son du chauffard de la Géoula, c'est la voix du monde futur. Alors chaque fois qu'on sonne du chauffard, ben, c'est un éveil. C'est-à-dire pourquoi maintenant on a commencé à sonner du shofar tous les jours pendant Elul jusqu'à la veille de Rosh Hashanah où on arrête de sonner du shofar parce que pour faire une interruption avec le Rosh Hashanah. Mais pendant tout le mois d'Elul, on va sonner du shofar tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on va déjà avoir un avant-goût de cette voix-là, de ce son du Olam Haba. Et normalement, ce son-là, il doit nous réveiller. Maintenant, même si on ne sent rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est dans l'état où on est, mais on a la Emouna que notre Neshama, elle reçoit un éveil du son du shofar. Validé prinat ha'emet shenitgale, alidé prinat alma de'ate. Donc, par la vérité qui se révèle, par le principe du monde futur, parce que Rabbeinu dit que la vérité, elle fait partie du futur, elle fait pas partie du monde actuel. C'est-à-dire dans le monde actuel, c'est difficile de réaliser la vérité vraiment, parce que on est loin de l'idée première du monde. C'est-à-dire c'est quand vous prenez l'architecte. Le plan de l'architecte, surtout si vous avez un dessin en trois dimensions de la maison, etc., qu'on va construire. Maintenant, quand vous commencez à construire la maison, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est-à-dire, c'est des briques et des trous et des trucs, etc. Maintenant, quand est-ce qu'on va retrouver l'apparence de la maison? C'est quand on l'aura terminée. Donc, à la fin, c'est là où on aura quelque chose qui sera en accord avec la pensée du départ. Donc, la vérité complète, parfaite, elle ne se réalisera qu'à la fin. Il n'y a qu'à la fin qu'on va se rendre compte qu'on était dans la vérité. Parce que la vérité, pour l'instant, elle est morcelée, puisqu'on avance dans le projet, mais on n'a pas encore fini de le réaliser. Je sais prinat kol ha-shofar, que ça, c'est le son du shofar, c'est-à-dire la vérité du monde futur. Alideze naase yom adin. Et ça fait le yom adin, c'est-à-dire le jour du jugement. Zeprinat ou beshofar gadol itaka. C'est écrit, et voilà, le grand shofar, il va sonner. Parce que Yom Adin, ça veut dire qu'on va sonner du shofar, ça veut dire qu'on va amener la vérité du Olam Haba dans le Olam Hazé pour faire un petit peu un bilan. C'est comme l'architecte, il doit suivre les travaux. L'architecte, il vient et il suit les travaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il amène le plan et il voit que ce que les gens ils sont en train de faire, est-ce que ça correspond au plan?
Il y a aussi des normes techniques sur le béton utilisé, sur les trucs, etc. Tout ça, c'est dans le plan de l'architecte. Donc l'architecte, il doit vérifier en permanence que les gens qui réalisent, ils sont en train de réaliser par rapport au plan, qu'ils ne sont pas en train de construire, qu'ils vont construire une maison, ils sont en train de construire un château ou une ferme ou n'importe quoi. Il faut que ça corresponde au plan. Donc le jour de Rosh Hashanah, ça qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du shofar, c'est-à-dire on amène le émet du monde futur, on le fait descendre dans ce monde et on voit un peu ce qui se passe. Est-ce que les gens, ils sont en accord avec l'idée primaire d'Hachem dans la création du monde? Et on dit, ah voilà, c'est le jour du jugement. Parce que la rigueur, le din, le jugement, il se révèle par le son du shofar. Shuprinat emet, qui est la vérité, qui se révèle dans le monde futur, que c'est cette vérité-là qui nous permet de faire le jugement. Comment on va juger? Il nous faut un critère pour juger. Il nous faut des références. Les références, c'est le monde futur. Donc on fait descendre des références du monde futur dans ce monde et on juge voir l'humanité où elle en est par rapport à ces références. Parce que la vérité, elle ne peut pas supporter les réchaïm. C'est-à-dire les réchaïm, c'est quoi? C'est des gens qui vivent dans le mensonge, des gens qui font leur vie du mensonge. Donc le Hémet, il ne peut pas supporter les réchaïm. C'est-à-dire que si maintenant on amène le Hémet dans le monde, il détruit tous les réchaïm. C'est-à-dire que tous les réchaïm ils peuvent pas vivre s'il y a le Hémet qui se révèle trop. Alors maintenant, quand la rigueur elle se révèle, à ce moment-là, la langue... La parole, c'est-à-dire la discussion, elle devient claire, c'est-à-dire on se comprend. Alors les gens, ils retournent vers Hachem. Grâce à ce jour-là, ils font tshuva parce qu'il y a la vérité du monde futur qui descend. Alors chacun réalise où il en est et il revient vers la vérité. Et ce retour vers la vérité, c'est ça qui va rendre le langage commun, c'est-à-dire qu'on va trouver une langue commune. Parce que pour l'instant, tant que maintenant on n'a pas une seule référence de vérité, on peut dire, continue toujours à parler, tu peux toujours causer. Vous comprenez? Si maintenant pour quelqu'un, chacun il a sa façon de voir la vérité, alors on peut toujours parler, et ça ne sert à rien. Parce que si quelqu'un il a sa vérité, et quand on lui parle, on parle une autre langue, donc il ne comprend rien. Il faut qu'on ait une langue commune et un dénominateur commun pour qu'on puisse discuter. Alors quand la vérité du monde futur, elle descend le jour de Rosh Hashanah, et qu'elle est tellement forte que chacun il réalise comment il a passé son année loin de cette référence-là, alors ça calme tout le monde, c'est-à-dire tous les gens ils se mettent après au diapason, comme on dit. C'est un diapason, c'est-à-dire c'est une unité de vérité qui met tout le monde tout le monde au diapason, et après les gens ils peuvent parler, parce que ça devient Safa Broura, c'est-à-dire une langue claire, c'est-à-dire tout le monde parle le même langage. Donc à ce moment-là, on commence à se comprendre. C'est pour ça qu'il y a un éveil de tshuva qui se fait par le son du shofar. Est-ce qu'on va sonner du shofar dans la ville et le peuple il va pas avoir peur? Donc par le son du shofar, qui est un principe de vérité, qui est le monde futur, c'est ça qui va rendre un langage clair. Et des émotions, quoi, à la poêle. Ça fait sortir les choses de leur potentiel à la réalité. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous faire réaliser les projets. Parce que si on n'a pas ça, alors on va se perdre dans des choses intermédiaires, dans des choses au milieu, entre le plan de l'architecte et la fin de la maison. Il peut se passer beaucoup de choses au milieu. Les gens, ils peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses au milieu avec s'il n'y a pas un suivi des travaux. Alors maintenant, à chaque fois, Hachem nous ramène la vérité de manière à ce qu'on se replie aux références, qu'on agisse par rapport aux références. Et c'est ça qui va nous faire sortir les choses « mikoach el ha-poal ». C'est-à-dire, c'est ça qui va faire que les choses qui étaient le projet, elles vont se réaliser maintenant. Parce que si maintenant on utilise les matériaux pour faire autre chose que le plan,
Ça s'appelle pas qu'on a mis le plan à exécution, puisqu'on a fait autre chose. Même si on a utilisé les briques, le ciment, les tuyaux, tout ce qu'on nous a donné, on l'a utilisé. Le fer, tout ça, on a tout utilisé. Mais on n'a pas utilisé par rapport au plan. Donc on n'a rien fait du tout, les masses. Et ce plan, il est resté, il est mort pour l'instant. Puisqu'il n'y a personne qui a utilisé les matériaux pour le réaliser. Hachem, il a un plan. Et il a donné tout le matériel de ce monde pour réaliser ce plan. Tout ce qu'il y a comme matière dans ce monde, c'est que pour réaliser ce plan, c'est tout. Il n'y a pas il n'y a pas, vous croyez qu'Hachem, il a créé gratuitement les choses dans le monde, pour rien, stam, comme ça. Hachem, il a créé chaque chose à une place. Chaque chose, elle fait partie d'une construction merveilleuse. Donc, il faut la mettre à sa place, la chose. Comment on va la mettre à sa place? Il faut qu'on retourne à la référence tout le temps. Donc, à Rosh Hashanah, Hachem, il nous fait descendre un émet très fort. Ce émet, il remet les éléments à leur place. Puisqu'on revoit le dessin du projet, et à ce moment-là, on se met à faire sortir le projet dans la réalité. C'est ça la tchouva, c'est-à-dire qu'on revient vers Hachem, c'est-à-dire on revient vers l'origine du projet de la création du monde. Mais des émotions me koach à la poël. Et c'est le lien de la Nessira qui commence à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Nessira? Le mot Nessira lui-même, ça veut dire scier. C'est ce que veut dire Nessira, ça veut dire scier. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il a créé l'homme et la femme, les Maasé, il les a créés dos à dos. Et ils étaient collés. Ils étaient un seul individu qui avait deux faces. Une face masculine, une face féminine. Mais ils étaient collés. Maintenant, Rosh Hashanah, Hachem, il les décolle. C'est-à-dire il fait que le côté masculin et le côté féminin, les deux, ils se séparent. Maintenant, le côté féminin, c'est le côté de Adnout, c'est le côté de la réalisation du projet. Et le côté masculin, c'est le projet, c'est la théorie, c'est le plan d'architecture du monde. Donc avant, à la création, au moment de la création, ils sont une seule chose. Ils sont collés tous les deux, après ils se séparent. Ils se séparent et plus ils se séparent, bien sûr en étant toujours attachés l'un à l'autre, pas collés, mais qui sont ensemble, tous les deux. Parce qu'ils s'y séparent vraiment, chacun part de son côté, c'est une catastrophe. Parce qu'un se trouve avec un bout de papier, et l'autre se trouve avec des briques, et il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. Parce que celui qui a le bout de papier, il n'a pas le matériel, et celui qui a le matériel, il n'a pas le plan. Donc c'est exactement ça, un couple. Un couple, c'est que la femme, elle a le matériel, et le mari, il a le plan. Maintenant, si le mari, il communique pas le plan à la femme, alors elle peut rien faire. Et si la femme, elle met pas les briques au profit du plan du mari, aussi elle va rien faire du tout. Donc Hachem, il a créé que c'était un seul être au départ, dos à dos. Après, ils se séparent et ils se mettent face à face. C'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'ils se séparent, mais ils se mettent face à face aussi pour réaliser tous les deux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et se mettre en accord et commencer à parler, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser le projet que Hachem il attend de eux. À Rosh Hashanah, on commence avec le son du chauffard. Que ça, c'est la vérité absolue. Valken ikar akol shenizkar batora utrua. C'est pour ça que le son le principal qui est mentionné par la Torah, c'est la terouah. Il y a trois sons qu'on fait dans le chauffard. On fait un son, on fait un son continu, on fait des tout comme ça, continu. On fait un son qui est saccadé, tout, comme ça. Et on fait un son qui est pas saccadé, qui est tout, comme ça. Alors il y a trois sons. Il y a trois sons. Mais le son principal qui est donné par la Torah, c'est le son de la Teruah. C'est écrit, ça sera un jour de Teruah pour vous. Qui Teruah, au Prinat Yaakov, qui adore. Parce que Teruah, c'est Yaakov, c'est le principe de Yaakov, chez au Prinat Emet, qui est Emet, Prinat Vav, qui est le principe du Vav. Le Vav, c'est un crochet, c'est-à-dire le lien entre le monde futur et ce monde-là. Shaliado motim koach la poal, que grâce à lui, on fait sortir du potentiel à la réalité. Mais c'est la chante troa, c'est la chante shvira. Que troa, ça veut dire casser, c'est-à-dire ça veut dire comme cassure, c'est un saccadé. Vechen shvarim shu gamken troa, mais ça fait gamken la chante shvira. Aussi la troa, c'est misafek.
C'est-à-dire, pourquoi on fait tout, 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 et on fait aussi tout, 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 parce qu'on ne sait pas si c'est ça ou l'autre. C'est-à-dire, on sait pas on a un safek entre les deux, si c'est ça le son que la Torah veut nous dire de faire, si c'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce que c'est ces saccadés? C'est la coupure qu'il y a entre les mains, c'est-à-dire la cassure qu'il y a entre le yud qui est de yud kei vav kei et le yud de adnout. C'est-à-dire c'est comme les deux mains qui sont collées, c'est pour les séparer. C'est ça cette cassure-là de ces sons saccadés. Shepotrim veshovrim vechotrim ben hakoach el hapoal shem shnei yudim. C'est-à-dire quand on fait ces sons-là, c'est pour casser entre le potentiel et la réalité, c'est-à-dire entre le projet et sa réalisation, pour permettre au projet de naître, de sortir. Donc on va casser ces deux choses qui sont collées. Chez Zéprinat Motsim Koch à la poal, que ça c'est de sortir la chose du potentiel et la réalité. Valken Kol Troua Tkia Baroch ou Tkia Basof. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait une Troua, c'est-à-dire un son saccadé, alors on fait une tkia au début, c'est-à-dire on fait toujours ça commence comme ça. Après on fait soit tout 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 trois fois, soit tout 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 9 fois. Ça dépend des mais il y a toujours un son continu au départ. Zeprinat yud baroch veyud basof shemprinat koach al pol. Pour montrer, alors le premier son continu comme ça, c'est le premier yud, et le deuxième son, il est saccadé. Maintenant, dans saccadé, il y a ou 3 ou 9, je pense que c'est l'autre. C'est 9, tout, 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 comme ça, 9 fois. Ou 3 fois ou 9 fois. Parce qu'on ne sait pas si c'est 3 ou 9. Mais en tout cas, c'est la cassure, celle de la deuxième. La première, c'est le son continu. Et après, c'est un son saccadé. Kitkia ou kol pashut. Parce que tia, c'est un son simple, c'est-à-dire continu. Prinat yud shen bashum tsiur. C'est le premier yud qu'il n'y a aucune réalisation. C'est le projet lui-même. Rak prinat kol pashut. C'est un son simple, c'est-à-dire il n'y a pas eu encore une forme. Vatroa bem tsat kiot. Et la troa, le son saccadé, vient au milieu des tkiot, c'est-à-dire de ces sons simples. Qui a troa ou prinat emet prinat vav. Parce que la troa, c'est le principe de Emet, c'est le principe du Vav, c'est-à-dire la Troua, elle vient pour faire des secousses comme ça, pour casser entre le projet et la réalité. Même un individu, c'est comme ça, quand il reçoit des secousses dans sa vie, il se fait secouer, c'est pour qu'il avance, pour qu'il fasse des choses. Comme on dit, quelqu'un, il faut le secouer pour qu'il se réveille, c'est-à-dire on le secoue pour qu'il fasse des choses. Alors des fois, on le secoue, mais Nachamaim, c'est parce qu'on veut nous faire naître, on veut nous faire sortir des choses qui sont en projet chez nous. Donc il faut pas croire que ces secousses-là, c'est des secousses pour nous embêter, c'est uniquement pour nous permettre de naître, de faire sortir ces projets qu'on a en nous. Prinat ha-sheshotiyot sheben shnei ha-yudim sheledam motzi mikoch ha-lapoel. C'est les 6 lettres qu'il y a entre les deux yud, que c'est ça qui nous fait sortir les choses du potentiel à la réalité. C'est pour ça la 3A, c'est 3. C'est tout, 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 3 sons. Comme je l'ai dit, 3A, que 3 yivavot. Que neget 3 prinot sheyesh etzel lakoach velapoal, shem makor tziur uzman. Alors maintenant, pourquoi 3? Pourquoi 3 sons par rapport aux 3 principes qu'il y a dans le koach et dans le poal? C'est-à-dire, on a dit qu'il y a 3 choses, qui est l'endroit, la forme et le temps. C'est-à-dire, pour créer quelque chose, il faut toute chose, toute réalisation, elle demande un endroit, une forme et un temps. Dans tout, c'est comme ça. Il y a rien qui peut se réaliser s'il n'y a pas ces 3 éléments-là. 3 éléments, c'est avec ça qu'on réalise tout dans le monde. Shem shalosh otiyot sheyesh etzel yud barosh vechen shalosh otiyot etzel yud basof kanal. Comme on avait vu avant, il y a yud, après il y a he vav he qui sont 3 lettres, et il y a adnout que c'est alef danet nun, et après il y a yud. Donc tous les deux noms ils ont 3 lettres par rapport au temps, par rapport à l'endroit, à la forme et au temps. C'est pour ça qu'ils ont un safek, que est-ce que la troua c'est des shvarim ou c'est ce qu'on appelle nous troua, c'est-à-dire quels sont ce son saccadé, comment il doit être. Mais parce que la sot shnem, ils ont dit on fait les deux, qui est jeté par mim shalosh prinot, parce qu'il y a 2 fois les 3
dans le Shem Yadut Kevavke et dans le Shem Admut. D'ailleurs, Makom Tziur Zman Bakoar, Yan Bapoal. Ve'asafek ou Ezemehem Ikar. Imsaïch la sot ultaken prinat Makom Tziur Zman Shabakoar ou Bapoal. Maintenant, le Safek, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le Ikar. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, le principal, c'est de s'investir dans le plan ou le principal, c'est dans la réalisation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est primordial? C'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'il vaut mieux un plan sans réaliser ou réaliser sans plan? On voit que c'est difficile de trancher sur ça. Parce que quelqu'un qui veut réaliser, il n'a pas de plan, il va faire n'importe quoi. Et quelqu'un qui a un plan et il ne veut pas réaliser, c'est Rahmanout sur lui parce qu'il a rien fait. Comme Rabbeinu l'a dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. Ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui me connaissent, mais ils ne font pas ce que je leur ai dit de faire. Alors ceux qui ne me connaissent pas, c'est ceux qui n'ont pas le plan. Et ceux qui me connaissent, qui ne font pas ce que je leur ai dit de faire, c'est ceux qui ont le plan, mais ils ne font rien avec, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas. כי עיקר הדבר, מה שאנו צריכים לתקן, לפתוח היהודים, מבחינת מוציב כוח או לא פעל, העיקר הוא בחינת תשובה בכלל ובפרט. Parce que comment on fait sortir la chose, c'est-à-dire comment on réalise le projet du monde, comment on fait séparer les deux yud, c'est par la tshuva, par le principe de la tshuva, en général et en particulier. כי בכלל צריך לעשות תשובה לתקן חטא אדם הראשון, שפגם בזה על ידי חטאו, סילק השכינה מתחתונים. Parce que d'abord, il faut faire tshuva sur le principe général de la tshuva pour réparer la faute d'Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a enlevé le principe de la shrina. Il a enlevé la shrina des mondes inférieurs. Il a fait remonter la shrina vers le haut. Vegaram mita, il a entraîné la mort dans le monde. C'est comme ça que la mort elle est venue. Pachot, il a enlevé la vie du monde d'Adam Arishon. Il a voulu comprendre, il a voulu rentrer dans le plan, trop profondément dans le plan, en oubliant la vie, l'arbre de vie, c'est-à-dire la réalisation des choses. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la mort. Pachot, il a enlevé la vie du monde. Vegaram mita, Zeprinat, Chechoser, Apoal et Lakor. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est que ce qui était maintenant la réalité, ça remonte dans le potentiel, c'est ça un mort. C'est quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui remonte en haut, c'est ça la mort. Et normalement, il n'y avait pas ça. Regardez maintenant tout le cirque qu'il va falloir passer pour revenir dans ce monde, pour se lever à la résurrection des morts. Alors que tout ça, on aurait pu éviter tout ce tour de circuit-là si Adam Arishon n'avait pas fauté. C'est-à-dire, on serait des hommes, mais on serait éternels déjà, directement. On ne sait pas passer par tout ça, et dans la terre, et les trucs, et après se relever, les jugements, etc. On aurait été directement éternels. Le corps, il aurait été éternel, et l'âme, bien sûr qu'elle est éternelle, mais le corps aussi, il aurait été éternel. Maintenant, il doit passer tous ces birourines-là, le corps, tous ces tris-là, pour pouvoir être éternel. C'est pour ça que chaque année, on doit réparer cette faute-là d'Adam Arishon en faisant sortir les choses du potentiel à la réalité, c'est-à-dire en faisant vivre la réalité, le émet dans ce monde, faisant vivre la vérité dans ce monde, que la vérité elle puisse exister, elle puisse se réaliser dans ce monde. Donc on fait tshuva général par rapport à Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, Mais aussi, on fait tshuva en particulier, chacun par rapport aux fautes que lui, il a faites. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a fauté les maasés, c'est qu'on a utilisé les briques et le ciment qu'on nous a donné pour construire, on les a utilisés pour autre chose. C'est-à-dire, on a pris le matériel et on s'est construit des trucs à nous qui sont pas, qui n'étaient pas prévus dans le plan. C'est pas pour ça qu'Hachem nous a livré la marchandise. Lui, Hachem nous a livré la marchandise pour qu'on réalise son plan, et là, on a fait d'autres choses avec. Donc, il faut faire tshuva. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rembourser. Il faut aller racheter des briques, du ciment, des trucs. Et voilà, il faut rembourser pour reconstruire. Et reconstruire ce qu'Hachem nous a donné ce monde matériel pour qu'on réalise un projet. Donc quand on a fait une avéra, ça veut dire qu'on a utilisé pour autre chose. On a volé ce qu'il y avait sur le chantier pour se construire des choses à nous, qui ne sont pas des constructions BMET, qui sont des n'importe quoi. Donc maintenant ça, il faut le remettre en place. Pour remettre ça en place, ça c'est la tshuva individuelle de chacun. Maintenant, la tshuva générale, c'est par rapport à Adam Arishon. Donc on travaille nous aussi, chacun individuellement,
toujours dans les deux niveaux. C'est-à-dire, il a son côté particulier à lui, mais son côté particulier, il vient aussi d'un côté plus large, qui est le fait que chacun il descend de Adam Harishon. Qui kara vera le denifilat ritukh hayadaim. Parce que maintenant, pourquoi quelqu'un fait des averot trans shalom? C'est parce que les mains, elles sont plus séparées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette séparation des mains. Dainu ayudi manal, c'est-à-dire les deux yud. Prinat istakel beshlosha dvarim venata balide avera. Il y a écrit, regarde trois choses et jamais tu vas faire de averot. C'est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regarde d'où tu viens, regarde où tu vas, c'est-à-dire regarde où tu viens, c'est-à-dire tu viens d'une semence, d'un truc dégoûtant, c'est de ça que ça a été créé, et regarde où tu vas, c'est-à-dire que tu vas mourir, et regarde aussi que tu vas donner des comptes sur tout ce que tu fais dans ce monde. C'est-à-dire, regarde ces trois choses-là. C'est-à-dire, ces choses-là, ce sont des choses qui font prendre conscience de la réalité des choses. Valken atikun ou aliyedet tshuva. C'est pour ça que la réparation elle se fait par la tshuva. Shuprinat patach charata. Qu'est-ce que c'est la tshuva? C'est quand on ouvre la possibilité de regret. C'est-à-dire, on ouvre un peu à la personne. Et elle commence à regretter ce qu'elle a fait. Alors cette ouverture-là, ça vient des deux yuds qu'on sépare. C'est ça qui ouvre le cœur de la personne pour qu'elle puisse faire tshuva. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire tshuva parce que les deux yuds, ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas du tout qu'il y a un plan et qu'il y a une construction. Tous les deux, ils sont inclus ensemble. Donc ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est que ce monde-là. Alors pour pouvoir leur faire prendre conscience de ce que c'est la vie, on va séparer ces deux yuds-là. Et à ce moment-là, ils vont réaliser que on va couper entre les deux, et c'est ça qui va faire réaliser le problème. Prinat patar, c'est-à-dire c'est le prinat patar, c'est-à-dire ptichat achituch hayadaim. On ouvre, on coupe entre les deux mains, c'est-à-dire entre les deux yud. Aynu ki me'achar shechata upagam beptichut hayadaim. Puisque maintenant il a fauté, c'est-à-dire il a abîmé le lien de l'ouverture des mains, c'est-à-dire il a pas fait correspondre la matière avec le spirituel. Qui n'a flou l'idée avec Chazé Shalom, parce qu'il est tombé dans les Averot Chazé Shalom, basé au Machri Vaolam Chazé Shalom, avec ça il détruit le monde Chazé Shalom. Kazaï Choser installe Kapora et la Koach Kevatrila, parce que quand maintenant quelqu'un il utilise le matériel que Hachem lui a livré pour réaliser le plan, il l'utilise pour autre chose, qu'est-ce qui se passe? Alors la matière elle retourne dans le plan, puisque maintenant il n'y a personne qui a utilisé la matière pour ce qu'il fallait. Donc ça y est. C'est pour ça que s'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde il aurait été détruit. Beri bar Am be Avraham, c'est-à-dire s'il n'y avait pas Avraham Avinu, il n'y avait pas de création. Parce que s'il n'y avait pas Avraham Avinu, toute la matière, tout le matériel qui a été livré à l'homme, Hachem il aurait repris tout le matériel. Il dit bon, alors si vous ne voulez pas construire, alors je reprends toutes mes briques, tous mes trucs, ça y est. Voilà, vous n'aurez plus rien, c'est-à-dire le monde il retourne dans le potentiel. Donc quand quelqu'un fait une avéra, Mamash il détruit le monde. C'est-à-dire qu'est-ce que veut dire détruit le monde? Il détruit l'existence du monde, puisqu'il utilise le matériel qui a été livré, pas pour construire le plan de l'architecte. Je disais Prinat Mita, que ça c'est la mort, Chas V'Shalom. Prinat Rechaim, Bechayim, Kourim, Metim. C'est pour ça que des Rechaim, de leur vivant, ils sont appelés morts. Puisque maintenant ils ont utilisé le matériel, pas pour le plan. Donc ils s'appellent morts, ça veut dire ils sont retournés déjà, de leur vivant, ils sont déjà retournés dans l'origine, dans le plan. Prenat poal, mistaleket le mala ve choser la koach. Donc ça retourne dans le potentiel. Ve'en chiyu torak me'ezenitzotzot shenaflu. Maintenant, d'où il vit le rachat? Comment ça se fait qu'il est vivant? Comment ça se fait qu'il est vivant? Il est vivant parce qu'il y a des étincelles de Gdusha qui sont tombées dans ce monde, parce qu'il y a des récipients qui ont été détruits au moment de la création, et c'est de ça qu'il va s'alimenter le rachat. C'est pour ça qu'il est vivant. Sinon, il serait mort, mamache. Physiquement, il serait mort. Mais comme il reste c'est comme des poubelles. Dans les poubelles, il y a toujours des trucs à manger. Il reste toujours des trucs à manger. C'est la même chose. Le rachat, il vient avec les poubelles du monde. C'est-à-dire, quand ça s'est cassé, les récipients, il est tombé de la lumière dans le monde. Alors, ils viennent, ils mangent ce qu'il y a dans les poubelles, autour des poubelles. Quand vous voyez les chats, les trucs, ils viennent, ils mangent, ils trouvent toujours des vieux os de trucs, de poulet ou des trucs de poisson. Ils trouvent ça dans les poubelles. C'est exactement ça. Le rachat, c'est de ça qu'il vit. Parce que sinon, il ne peut pas vivre.
Puisque du moment où il n'utilise pas le matériel pour le plan d'Hachem, le matériel il retourne en haut. C'est-à-dire tout ce qui lui a été donné pour pouvoir réaliser le plan, on lui reprend tout. C'est-à-dire on le prend à lui, les mains. C'est-à-dire on reprend sa vie et remonte. C'est pour ça que quand quelqu'un fait tshuva, il doit reconstruire le monde à nouveau. Il doit reconstruire le monde, c'est-à-dire dire voilà maintenant, bon ok, j'ai détruit tout ce qu'on m'a livré comme matériel. Alors maintenant, redonnez-moi un truc et ça y est, je vais reconstruire, je vais me mettre au travail. Ou l'otzi mekoach la poal, c'est-à-dire maintenant, je vais refaire sortir les choses du potentiel à la réalité. Et ça, c'est la tshuva qui fait ça. Parce que la tshuva, c'est une cassure, c'est-à-dire le regret, c'est un principe de cassure dans la situation comme elle était. Quand quelqu'un il regrette qu'il a fait quelque chose de mal, ça veut dire qu'il réalise, c'est-à-dire il a pris cette situation, il l'a fait se ressortir un petit peu de là où elle était. C'est ça qui lui donne envie de faire tshuva. Prinat petar kanal. Donc maintenant, les jours de Rosh Hashanah qui sont des jours de tshuva, on doit faire sortir les choses du potentiel à la réalité. L'idée de tshuva be'atzma, shu patacharata, et la tshuva qui est une ouverture de regret, a aidé ça meramez kol ha-shofar, a aidé ça meramez kol ha-shofar. Et sur ça, ça fait allusion le son du shofar. De'ainu trua. On dit que maintenant, quand on fait troua, on sait ces sons saccadés, c'est pour dire qu'on va séparer le plan de la réalisation. Parce que, qu'est-ce que c'est la troua? C'est ginouche ganach, ça veut dire il fait des soupirs et des lamentations. C'est ça le nian de la troua. Dainu prinat harashla shemetchartim ala avera vegonchim belibam yalelim yalelot al godel abgamim shepagam kol echad kifimei shedea benafshom asa kol hashana. Maintenant on commence, c'est-à-dire on regrette tellement qu'on commence à soupirer et on commence à se lamenter sur les bêtises qu'on a faites toute l'année. Chacun sait ce qu'il a fait. Ubezot acharata motzim mekoach al apoal. Et quand il regrette maintenant, alors il fait sortir la chose maintenant du potentiel à la réalisation. Venistapku imatroha ou genouche. Maintenant ils ont eu un safek les chachamim. Est-ce que maintenant la troha se sont saccadés? Est-ce que c'est un soupir? C'est-à-dire des shvarim chez Eprinat Lev Nishbar. C'est-à-dire c'est des choses. C'est-à-dire est-ce que c'est un cœur brisé? Venitke comment Michel Goneach Melibo, comme quelqu'un qui soupire de son cœur. Et ça, c'est par rapport à ce qu'il a abîmé, les trois lettres du Shem Avaya, c'est-à-dire le He, Vav, He, dans le potentiel, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, l'endroit, la forme et le temps qu'il y a dans le potentiel, c'est-à-dire les trois lettres qu'il y a dans le premier yud. Haynush nistapku mikar atshuva letaken pgam ha-machshava shekava ha-machshava shebamoach an pashetet balev misaret b'shalosh prinot makom siur zman mikar atshuva tzrichim letaken zot. Est-ce que maintenant les chachamim ne savaient pas? Ils ont dit qu'est-ce qui est maintenant le principal? Est-ce qu'il doit faire tshuva sur sa pensée, c'est-à-dire qu'il a pensé faire quelque chose de mal, ou il doit faire tshuva sur l'action? Qu'est-ce sur quoi il doit faire tshuva? Est-ce qu'il doit faire tshuva sur le fait qu'il a commencé à penser à faire une avera? Parce que quelqu'un ne pense pas, jamais il va faire une avera. Donc maintenant, il a pensé faire une avera. Est-ce que maintenant, l'écart de l'avera, c'est la pensée de la faire ou c'est l'action? Parce qu'une fois qu'il a pensé, après il va le faire. Quand il va le faire, ça dépend de l'action, de la pensée. Donc sur quoi il doit faire tshuva? Sur la pensée ou sur l'action? Alors c'est ça, ils ne savent pas, hein, les chachamim, ce n'est pas évident, c'est-à-dire ils n'ont pas pu trancher, ils ne savent pas qu'est-ce qui est le principal. C'est pour ça qu'on fait deux sons de saccadé, parce qu'ils ne savent pas si c'est dans la pensée, dans le potentiel qu'il faut faire tshuva, ou bien dans la réalisation qu'il faut faire tshuva. Parce que le principal, c'est que si on ne laisse pas une avera se dessiner dans notre tête, jamais on va la faire. Si on ne la laisse pas rentrer dans le cerveau, on ne va rien faire du tout. Parce que s'il n'avait pas laissé la chose rentrer dans sa tête, jamais il aurait fait une avera.
C'est pour ça que le ikar de la tchouva, peut-être c'est rien que de faire tchouva sur la pensée, ils ont dit les chachamim. C'est ça le shvarim, c'est-à-dire que le cœur il est brisé d'avoir une pensée comme ça. Prinat gnuche ganar, c'est-à-dire qu'il soupire. Dainu anacha ou gnichot alev, c'est-à-dire des soupirs du cœur. Ki mechar sheikar abgam bemachshava shebalev. Puisque maintenant le ikar c'est la pensée du cœur. Alken hatshuva l'edelev nishbar, donc la tchouva c'est par le cœur brisé. Dainu gnuche veanacha shegonear ou mitcharet belibo abgam bemachshava shebalev. C'est-à-dire il soupire et regrette dans son cœur qu'il a eu des pensées comme ça. Ou bien non, on va dire que l'ikar tshuva gam maase, le quart de tshuva, c'est ce qu'il a fait de mal. C'est là qu'il faut faire tshuva. On te dit si quelqu'un il a pensé faire une avera, il l'a pas faite, alors il n'a rien fait, il a que une pensée. Ou bien non, la pensée c'est plus grave que la. Qu'est-ce qui est plus grave, de faire ou de penser faire? Parce que s'il avait pas pensé faire, il aurait jamais fait. Donc l'origine c'est la pensée ou c'est la. Quel est le alors ils savent pas bien mettre les chachamim. Voilà, il dit peut-être c'est l'action le ikar qui a fait le piken ikar avera sheba lidi maaseh chazusholom. Parce que le ikar de l'avera c'est quand quelqu'un y fait. Si quelqu'un il a pensé voler, il a pas volé, il a rien remboursé. Quand est-ce qu'il rembourse? C'est quand il a volé mamash. Mais bien mettre de penser voler, c'est du vol déjà. Rien qu'avec la pensée on peut voler déjà. Quelqu'un qui désire ce qui est pas à lui, c'est déjà du vol. Mais comme les chachamim ne peuvent pas voir les pensées, alors on ne peut pas le juger. Mais Rabbeinu dit rien qu'avec la pensée, quelqu'un il peut voler. Après l'action, elle se fait toute seule. Rabbeinu dit quelqu'un qui a un koar de marchava très fort, il peut réaliser des choses, beaucoup de choses, qu'avec sa pensée, c'est tout. Vous voyez aujourd'hui tout le coach de penser, de vouloir une chose, etc. Avec ça, on le réalise. Il travaille aujourd'hui que sur la pensée. Ils vous disent que si vous pensez très très fort à une chose, vous allez la voir. Cette chose-là, avec la pensée, vous allez finir par réaliser le projet de la chose. Et alors, on voit qu'il y a un côté où la pensée, c'est le ikar, mais d'un autre côté, quand est-ce que c'est mamash une avera, qui est enregistré comme une avera? C'est quand quelqu'un, il l'a fait, mamash. Rahman Atzila, mais c'est prinat roua, ça c'est la troua, prinat roua, tchebechevet barzel, tchaïk la sot tchouva gdola, tchalot tchavel kola klipot, tchelassia la vila chazishalom. Dire à ce moment, il faut commencer à se battre. Et a cassé toutes les clipotes qui ont été faites par l'Avera, parce que maintenant il a créé mamash des forces négatives avec l'Avera. Quand il l'a faite avec ses mains. Il a créé des énergies négatives. Il faut qu'il casse tout ça maintenant. Alken kshiba Avera l'idem maaseh chas v'shalom tzrichim kol keilala sheu yoter mignuchim. Quand quelqu'un chas v'shalom il a fait l'Avera mamash, alors à ce moment-là, ça suffit pas de soupirer. Maintenant, il faut de la yelala, c'est-à-dire il faut commencer à se lamenter avec des cris vers Hachem. Qui gonéach ou rak balev canal. Parce que maintenant le soupir, c'est que dans le cœur. Ava yelala ou kol tsaaka. Mais la yelala, c'est un cri de douleur, de tchouva. Ve yelala chitrim bitsok. Ve leayel be kol mar. Il faut commencer à crier avec une voix amère. Be kama kama kolot. Beaucoup de voix. Te koufim zelazé. Les unes rapprochées aux autres. Kmo troua. Quand on fait tout comme ça. C'est-à-dire, il faut crier. Al godel abgam shaasa. Ve maaser chas shalom. Parce qu'il a fait quelque chose de grave avec l'action, qui est déjà allé désir, il taken abgamim, allé dégodel chouvato, veit kayembo, pour qu'il répare tout ce qu'il a fauté par sa tchouva, et qu'on puisse réaliser en lui, teruam, meshevet barzel, bekli yotzer tenapetsem, shishaber vinapes kola klipot, c'est-à-dire qu'il va casser et détruire toutes les klipotes qu'il a pu créer avec ses bêtises. Vezeprina trua sheu yelule yalil, c'est ça la trua. Qui s'appelle Yéluyé la Lille, c'est-à-dire que c'est mamash des cris de lamentation sur la Avera. Shouyoter Megnouché, ça c'est plus que le soupir du cœur. Quand quelqu'un soupire, il fait aïe, 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 comme ça, ou il a crié, aïe, il commence à. C'est pas du tout la même chose, c'est deux niveaux. Le deuxième, c'est beaucoup plus fort que le premier. Le deuxième, c'est quand il y a eu l'action, Chazou Shalom. Shouprinat Makom Betsiurizman Shechetsel Yud Basof. Donc ça, c'est le deuxième Yud, Prinat Poal. C'est-à-dire quand il a été programmé dans Adnout, c'est-à-dire mamash dans la malchoute, dans l'action. Vechen ashvarim ham galken shlosha kolot keneged shlosh prinat sheyesh etzel yud berosh prinat koach ushneim yachad hem shisha kolot. Les deux, c'est fait six. Prinat shesh otiyot hanal, qui sont les six lettres. Et deze mutzi mikoach el apoal, que grâce à ça, on fait sortir du potentiel à la réalité. Alken utzrachu betenu misafek lasot shneim. Donc, les chachamim, comme ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut, alors ils ont dit on fait les deux. C'est-à-dire on répare et la pensée et l'action. Shem prinat vav.
Et aussi, ils ont fait, vous verrez dans le Seder des Tkiot, vous avez les deux ensemble et les deux seuls aussi. C'est-à-dire, il y a un où on fait tout, après on fait tout, les deux ensemble. Et il y a un où on fait que celle de trois, et après on fait celle de six ou neuf, je ne sais pas la deuxième de combien c'est. Otkiat ou Otkiat levad, qui tsarich le taken kulam. C'est-à-dire, il faut tout réparer, d'ailleurs, le taken gamama ase ve marshava yachad. Il faut réparer l'action et la pensée ensemble. C'est-à-dire, quand il fait une avéra intentionnellement, avec ça, il a abîmé et la pensée et l'action, parce qu'il avait l'intention de la faire. Donc, l'intention, c'est la pensée. Donc, il faut tkia, shvarim, troa. C'est-à-dire tkia qui inclut les deux, marshava et maase. Ou les familles de marshava levad et non aussi avera bifoal. Parce que des fois, uniquement avec la pensée, il ne fait pas d'avera. Donc par rapport à ça, il va faire que tkia, shvarim, tkia. C'est-à-dire que shvarim, pas troua. Ou les familles, miesh maase belo marshava, kegon shogeg. Ou des fois, il fait une action, mais il n'a pas pensé. Donc ça, il va faire tkia, troa et tkia. Parce que troa, c'est pour l'action et shvarim, c'est pour la pensée. Et tout ce tikkun là, c'est pour réparer le principe de sortir du potentiel à la réalité. Parce que quand quelqu'un fait une avera, alors il a ramené la réalisation, il l'a réinclus dans la pensée. Qui a l'idée Abgam l'istalek vechoser apoal et la koach. Parce que par le fait que quelqu'un il a fait une avera, il a ramené le monde en arrière. Ou tsichim a l'idée atchouva l'achzor liftor. La tchouva, c'est de réouvrir cette chose-là. Vegam albgam marshava tsichim l'achzor ou l'otsim koach et la poal. Mais aussi dans la pensée, il faut faire tchouva. Qui gambe marshava levad yeshprinat koach de poal. Parce que même dans la marshava, il faut faire attention parce que la marshava aussi, elle a une force. Elle a une force, la pensée. La pensée, elle n'est pas que virtuelle. La pensée, elle peut faire du mal. Elle peut faire des choses. D'ailleurs, nous réchit ou trilat à marchava, que chien la chum tsiur, et sofa, ni qu'il s'arrête même à com tsiur zman. C'est-à-dire, au début, elle n'a pas de forme, mais elle peut prendre forme, la pensée. Alken eolam tkia berosh, tkia basof, ou troa behemtsa. C'est pour ça que toujours on va faire une tkia au début, un son simple au début, et les autres, c'est toujours au milieu. Au shvarim, chez vous, gamken tkoua, chez les prénat moussikoua la poêle, chez miud, berosh, vim basof canal. Alors, Bezat Hashem, que Hashem donne le sou.